l'activité de la maison Addis. Alors Addis existe depuis 1985. Notre cœur de métier, c'est le composant électronique. On est distributeur, on est principalement des électroniciens. Mais il y a une douzaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel avec la LED et on s'est lancé sur le marché de l'éclairage LED. Il y a une douzaine d'années, et depuis on a étendu notre catalogue, on a une gamme qui permet de répondre principalement au secteur industriel. On s'est rendu compte qu'il y avait un très fort potentiel avec la LED et on s'est intéressé au marché de l'éclairage auquel on pouvait répondre tout simplement avec la LED. D'accord. Donc on a travaillé principalement dans le milieu industriel parce que c'est notre cœur de métier à la base par le composant électronique. Notre cœur de clientèle, c'est les industriels et on a apporté des produits qui permettaient vraiment de répondre à leurs besoins. Alors pourquoi on est venu au Vitef? On a un très gros client sur le secteur qui nous a demandé de fabriquer un produit qui lui permette de répondre, qui permette de supprimer le goût de lumière. Il faut prévoir des gens qui parlent les langues des étrangers sur le salon. Donc, quand tu parles en anglais, il n'y a pas de souci. Par contre, mon équipe m'a dit qu'ils ont rencontré des Russes. Donc ça a été un petit peu difficile, mais c'est une bonne chose. Si les gens viennent sur le salon, c'est que le salon est intéressant. Et c'est une très bonne chose. Les défis pour l'avenir. Comme toute société, le premier défi, c'est de faire évoluer le chiffre, c'est de faire monter la société en puissance. Pour ça, c'est l'amélioration des produits, l'amélioration du service et toujours être au top niveau de ce que la technique nous permet de faire. Ok, merci beaucoup Christian. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Vous aussi.